Ah les amis, mais waouh, mais où est-ce que je suis? Waouh, on s'est crashé les amis. On s'est crashé en avion. Waouh les amis, je prenais l'avion, je me suis crashé. Mais waouh, je prends feu. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, regardez comment je suis en sang. Est-ce qu'il y a des survivants? Ouh. Ah, à l'aide. Il y a des... Oh, oh mais c'est Awariz. Oxymose. Oui, oui, Awariz. T'es vivant. Aide-moi à me relever, aide-moi à me relever. Ouais, ouais, attends, je t'aide. Voilà, c'est bon. Yes, ok, c'est bon. Wesh. Oh, hey, encore. Mais attends, mais c'est la deuxième fois qu'on est naufragé là. Attendez, mais. Ouais, naufragé et qu'on se crache avec un avion. Mais ah, mais c'est n'importe quoi. Attends, enlève les flammes parce que ça commence à brûler. Ouais, ouais, ça commence à brûler. Bon, bah, les amis, Waouh, t'as vu l'île comme elle est énorme. Ouais, bah, en tout cas, il y a un gros océan. Ouais, il y a. Bon, wow. Non. Regarde les montagnes derrière toi. T'as vu? Mais c'est hardcore. Wow, hardcore. Bon bah les amis, je crois que je crois qu'on vient de se crasher à nouveau sur une île déserte. Et du coup les amis, bah bienvenue à tous pour cette nouvelle saison de la survie sur une île déserte avec Awariz. Donc voilà, salut à toi Awariz. Bonjour à tous. Bon ça va, t'as pas trop mal? Un petit peu quand même, je pense qu'on est tous les deux un peu beaucoup blessés je crois. Ouais, je crois qu'on est un peu beaucoup blessés. Bon les amis, pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série, mettez un maximum de pouces bleus, c'est super important. Voilà, donc on tente les 10 000 pouces bleus pour cette vidéo, je veux rien savoir, vous mettez les 10 000 likes. Et évidemment, bah si c'est pas encore fait, allez vous abonner à nos chaînes, donc la chaîne Oxymose et la chaîne Awariz, donc voilà. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais moi je sors qu'un épisode, c'est celui-là. Après, toute la série, ça se passera avec Awariz sur sa chaîne et moi je serai avec lui sur sa chaîne, mais du coup je posterai pas les épisodes sur la mienne, donc voilà, allez vous abonner à la chaîne d'Awariz. Ça va? Ouais ouais, ça va, nickel, t'as bien résumé la chose. Et de toute façon on essaiera de trouver, je pense aussi un autre truc, une autre série avec toi à faire. Je pense que de toute façon toi tu vas réattaquer une nouvelle série aussi. Ouais ouais, truc. Je vais réattaquer des nouvelles séries. RP est-ce, prison. Est-ce qu'on en parle maintenant? Je ne sais pas. RP prison. RP, oui, oui, je pense que c'est à peu près ça, ouais. Bon, du coup, moi, ce que je te propose déjà, c'est qu'on commence la survie quand même. Je vais pas. Ouais. Voilà. Et ben, pour l'instant, moi, j'ai tous mes cœurs, toute ma bouffe, mais je vois qu'il y a énormément d'animaux sur cette ouais, île. Et d'ailleurs, avec le shader, tu trouves pas, c'est vraiment magnifique. Bah, c'est plutôt sympa, ouais. Alors, moi, je vois vraiment les trucs très clairs. Bah, c'est plutôt joli au niveau de l'eau, etc. là. Avec les nuages. On dirait, ouais. Qu'on dirait des vrais nuages, je sais pas quel shader tu as toi, mais. Moi je sais pas trop. Mais okay, ouais, de toute façon c'est fait pour être réaliste et vous avez vu, c'est magnifique. Hop, tac. Alors il faut préciser ou pas que genre de base, on joue. Enfin si on se met en créatif, on a des modes, du coup on sait pas si encore les blocs vont être. Ouais mais tu sais que les trucs des modes, on peut les crafter en survie. Genre on peut faire okay. Des tables modifiées. Ouais, justement, c'est ça que je me dis, c'est qu'en fait, ça se trouve des fois on va vouloir crafter une table normale, mais en fait ce sera une craft modée. Bah ça serait, c'est trop bien. Ah oui, ça va être stylé, mais carrément. Ça va être carrément stylé. De toute façon, je pense qu'on regardera des crafts de temps en temps. Ouais. Hors vidéo. Ouais. Pour faire tout ceci. Bon bah pour l'instant on commence à prendre du bois. Ouais. Fais-toi des outils de base, genre pioche, épée, tout ça. Bah au pire, non je vais. Attends. Je vais faire, tu sais, je vais aller récolter de la pierre direct, comme ça on peut se faire des outils en pierre. Vas-y, regarde, bah comme je disais, regarde, vu qu'on est dans le mode, on peut pas lancer les œufs par contre. Ah ouais. Je crois qu'il faut les mettre dans un lit, enfin je sais pas qu'on appelle ça. Ouais, une couveuse quoi. Ouais, une couveuse. Mais je crois que c'était pareil, il me semble, sur Windows 10. Ah ouais, il y a peut-être moyen. Je vais me faire du bois, tac. Hop, du coup, bah les œufs, je vais les mettre de côté, de toute façon on n'en utilisera pas pour le moment. Du coup, ouais. Tu m'as dit quoi, qu'il fallait que je fasse les haches et tout? Non, justement, attendre que je ramasse toute la pierre pour faire des outils en pierre. Ok, vas-y, je fais des sticks, tac, c'est parti. Je vais quand même ramasser pas mal de bois. Au pire, viens en dessous avec moi là, commence à ramasser de la pierre, on en aura besoin. Genre, bah rien que pour faire des outils, des fours, des trucs comme ça. Bah, du coup, attends, t'as dû faire une pioche, non? Ouais, une pioche en bois, vas-y. Ok, vas-y, j'en fais une. T'inquiète, je connais les crafts maintenant, Oxymose. Aïe. Bon, par contre, l'île, elle est vraiment énorme, donc il y a vraiment de quoi explorer, j'ai l'impression. Alors on vient de se crasher à l'instant et j'ai encore un peu mal aux jambes et tout. D'ailleurs faudrait se refaire des nouveaux habits parce que là ils sont tout déchirés. C'est comme avant quoi. Regardez comment je suis en sang, c'est n'importe quoi. Ouais c'est sûr. Alors par contre je vois qu'il y a plein de trucs. Je sais pas si c'est désactivable ou pas. Genre en mode les atouts en haut à droite. Je sais pas si tu les as toi. Non je les ai pas mais oui c'est désactivable. Enfin ouais du coup ça doit être désactivable.
Ouais, bah je ferai ça plus tard. Ah mais mec, c'est hardcore, comment c'est trop trop beau les amis. On a atterri sur, même pas sur une île déserte, sur une île paradisiaque là. En fait, ouais, on est en vacances. Il fallait qu'on ramène nos petits transats avec un petit parasol, etc. Là, et ouais. Nos petits cocktails. Ah bah viens, on essaie de se faire un truc comme ça. Bon déjà, on fait les trucs de base à la survie et après voilà. Bah on sait pas s'il y a du monde sur cette île justement. Comme d'habitude les gars, comme vous avez vu sur la première survie, on ne sait pas s'il y a des gens. Il y a des habitants. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'elle a mal l'air jolie. Bah, pour l'instant, je vois pas trop de maisons, donc c'est vraiment peu probable. Mais après, on sait pas, peut-être qu'il y a quelque chose derrière cette colline. Il y a peut-être moyen. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a des habitants. T'as vu la taille de l'île ou quoi? Et ben, les abonnés, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il y a des habitants tout simplement dans cette île, les abonnés? Moi, pour le moment, j'aurais dit non. Regarde, il y a zéro maison, il y a que des animaux. Ouais, en vrai, c'est peut-être pour ça. C'est grave sauvage. C'est grave sauvage. C'est un peu trop sauvage, même. Hop, ok, alors par contre, je crois qu'on est en peaceful parce qu'on perd pas de bouffe et tout. Hop, tac, c'est possible. Alors j'allais me faire un four, voilà, c'est ça. Okay. Parce que du coup, là, bah vu qu'il y a plein de bouffe, on va la récolter direct. Ce qu'on fait justement, en pire, c'est que le premier épisode, on se met en peaceful, comme ça on peut récupérer le maximum de bouffe, on a pas besoin d'en manger. Et après, on fera la difficulté dans les prochains épisodes, je pense. Ouais, vas-y. Ok, on fait comme ça. Comme ça, cet épisode, on est sûr qu'il n'y a pas de soucis, on meurt pas ni rien. Ah, mais en tout cas, ça fait plaisir de faire une petite survie là. Ça fait très longtemps. Bien sûr, les abonnés, je tiens à préciser que c'est pas une survie comme les autres. C'est-à-dire que c'est pas. Comment ça s'appelle? On va pas faire une survie de A à Z, une vraie survie roleplay. C'est une survie roleplay où vous verrez, il y aura peut-être d'autres personnages qui vont faire leur apparition. Ah bah, bien sûr, il y aura même des youtubeurs et tout. Youtubeurs, peut-être des personnages qui existent déjà sur ma chaîne, peut-être des nouveaux personnages, peut-être des personnages des anciens épisodes des survies, etc. Ça pourrait être vraiment sympa. Moi, j'aimerais bien qu'il y a des youtubeurs qui viennent nous sauver en bateau. Après, ça pourrait être stylé pour la fin, les gars. Est-ce qu'il y aurait des youtubeurs pardon. Je vais vous faire un combat, ça. On perd pas de vie. Oui. Non, je rigole. Ok. Vas-y. On va pas tenter le. Putain, mais il y a vraiment beaucoup d'animaux. Oh quoi? J'ai un gamin ici. Qu'est-ce qu'il y a? Wouah! C'est plus des animaux. Ouais, mais viens, on fait faire des kebabs là, on fait des broches. Je crois que c'est la ferme de Dédé, les abonnés. Bon, voilà, ouais. On prend plein de trucs. Je pense que dans le prochain épisode, Oxymos, il faudrait qu'on se construise une maison, etc. Bah, déjà là, on peut essayer de voir si on peut pas creuser un. Tu sais, genre, on rejoint le pied de la montagne et on se creuse une petite grotte et, histoire de survivre un peu là. Alors, moi, j'ai vu un truc, Oxymos, qui pourrait être pas mal. Alors, viens voir parce que du coup, c'est bien les abonnés, c'est que de toute façon, quand on s'est mis en F5, on a vu à peu près la map comme elle était. Alors, hop, vas-y, je te laisse me suivre. Regarde par ici, de toute façon, il y a un petit point qui relie. Bah, du coup, en fait, c'est une mini île et là, c'est une énorme île. Et là, tu sais, on pourrait faire un petit pont, genre joli. Pour débuter l'histoire, ça c'est joli, genre. Moi, je suis plutôt pour faire d'abord une grotte où on s'installe un peu, tu sais, genre, mets des coffres, table de craft et tout, tu sais, vraiment la survie de base. Ok, genre, ok, on se met au pied de cette montagne où on creuse. Attends, faut pas que ça soit trop non plus. Tu veux le faire en hauteur? Non, mais genre, au niveau, on voit de la pierre déjà, mais après, c'est. Moi, je pense qu'il faut le faire là, tu vois. Vas-y. Bah, au pire, on débute ici si tu veux et ouais. On verra. Hop, tac. Je vais ramener la table de craft. Ah, j'en ai déjà fait une autre, mais vas-y, c'est pas grave. Ah, ok. Bah, comme tu veux, dis-moi. Non, mais c'est bon, elle est déjà posée là, la mienne. C'est bon. Ah, ok, bon, bah, nickel. Bah, attends, je vais me faire une petite pelle parce que moi, je n'aime pas. Ok. Tac. Bah, moi, on se creuse une grotte histoire de dire on n'a pas le temps de se construire une maison aujourd'hui. Donc, voilà, on va faire une grotte souterraine. Voilà. Et après, on verra bien ce qu'on trouvera dans les prochains épisodes, etc. Qu'est-ce qui va se passer, avec qui on sera et tout. Et ça pourrait être vraiment plutôt pas mal. En plus, je sais qu'il y a plein d'abonnés qui disaient ouais, faut que vous reprenez cette épisode. Ah bah ouais, logique, c'est trop bien. Oh, il y a quoi là? Ah, il y a un lac souterrain. Oh bah nickel, on a une piscine municipale. On a une piscine. Une piscine. Vas-y, je vais bloquer avec ça, j'avais pas d'autres blocs. Ah, il y a des poules qui viennent. Attends, je vais les buter. D'ailleurs, on va faire des torches. Ouais, je viens parce que quand on va être dedans. Alors, par contre, ça vraiment, je ne sais plus comment on fait. Des torches, t'inquiète, je sais faire, je le fais. Ok, ah, vas-y. Parce qu'Awariz est un peu nul. Non, je suis pas nul, je découvre Minecraft encore. Awariz, il est youtubeur Minecraft, il a 300 000 abonnés, mais. Attends, combien? Ouais, 300 000 Non, 200 000 encore. Ah, ok. Bah, faites-le moto, 300 000 là, pourquoi il a pas 300 000 encore? Pourquoi? Non, j'ai 236 000, je crois, un truc comme ça. Ou 237, 238. Yeah. On avance petit à petit, l'oiseau fait son nid, mon petit. Eh oui. De toute façon, je suis allé même vu que Twinner. Twinner. J'égole le poids. Ah bah alors, bon, on fait pas les mêmes revenus par contre. Ah bah oui. Bon, je pense que c'est à ce niveau-là. C'est pas mal pour ce début de grotte là. Je pense qu'il faudrait. Ouais.
Attends, je... De toute façon, on va pas faire un truc de ouf si justement si on compte faire après une maison après. Oui, c'est le tout début, c'est histoire de... aujourd'hui d'être d'être bien. C'est toi qui a enlevé la torche. Bah, c'est le four, il a fini de cuire. Attends. Ah, ok, c'est du coup le four qui faisait du. Attends, du coup, je vais mettre des torches. Nickel, voilà. Maison une à l'entrée et tout. Oh, bah, regarde, on a une petite piscine ici, de toute façon. Hop. C'est on va éclairer la piscine à. Voilà. La piscine, comme ça, on viendra se baigner tout à l'heure. En hop. Plus, elle a l'air chaud. Ça a l'air d'être chaud. Ok, bon, par contre, il y a zéro poisson. Je sais pas si c'est normal. Bah oui, c'est normal. On n'est pas sur Windows 10. Ah oui, punaise. Je suis habitué à Windows 10. Tu sais, on les voit ouais. naviguer. Quand c'était crashé la première fois sur la première île, les amis, eh bien, on était sur Windows 10. Et du coup, bah, Minecraft on voit les poissons. Minecraft téléphone. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Je nous fais un petit coffre. Comme ça, on peut mettre toutes nos conneries. Je veux bien. J'y ai même pas pensé. Tac. J'y ai pas pensé parce qu'en général on les perd quand on succombe. Ouais. Moi, j'ai donc mis... là personnellement j'ai plus pas mal de bouffe, c'est pas toi. Ouais, moi aussi, bah limite on peut commencer à cuire. Après il faut du bois. Je dis pas mal de bouffe, j'ai rien du tout. Hein. J'ai 13 steaks, 6 poulets et 3 bœufs crus. Moi j'ai 22 bœufs crus. Cochon, pardon. Bah viens, on grille le cochon en premier. Voilà, ouais, ouais, ouais. 35 cochons. Vas-y, le reste, je mets des trucs à la con ici. C'est parfait. Je me fais une hache pour couper le bois un peu plus vite. Parce que le bois, c'est ce qu'on a vraiment besoin pour construire les maisons. Ouais, ouais, on a vraiment besoin de bois, les amis. Si on veut se faire un abri digne de ce nom, il faut. Bah, en vrai, j'ai eu une idée, Oxymose. Mais on verra après, je pense, dans les prochaines vidéos. Ouais. C'est que. Je sais pas. Je me suis dit, vu qu'il y aura peut-être des nouveaux personnages, on ne sait pas. Je ne sais pas spoil en tout cas qui sera dans cette survie, etc. Mais je me disais, pourquoi pas faire une maison par personne. Ah, bah, ce serait cool ça. Bah, après, faut attendre qu'il soit là, quoi. Parce que ouais voilà, parce que le problème en fait c'est que je me dis c'est que si on a une maison genre pour tout le monde en fonction des personnes qui sera dans notre maison, je me dis tu sais on va devoir se réveiller, on va s'embrouiller etc. Par exemple je sais pas, j'ai envie de faire une vidéo on avec fait une un grande personnage. Maison. Hein? On fait une grande maison au pire. Ah bah elle va être énorme alors si on en fait une grande. Elle va être géante la maison. C'est de la maison de c'est d'Adon Montparnasse. Limite je vais déjà faire un peu de décoration, genre je vais mettre un pilier en bois ici. Ah ouais carrément. Bah décorer la grotte quoi, histoire que ça soit vraiment un tout petit peu joli quoi. Ouais, que ça fasse un minimum propre. Ouais, tac, voilà, ouais. T'as tout capté. J'ai capté le bail. T'as capté tac, ou quoi voilà. J'ai capté, ok. Tac, 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 tac. En plus il y a une bonne nouvelle là, Jules il a mis un truc il y a pas longtemps. Vas-y on parle de Jules là dans la... Ok les amis, bon bah voilà c'est quand même plutôt sympa tout ça. Alors attends t'es parti où à Waris? Alors moi je suis juste ici, j'étais allé prendre du bois mais je pense que je vais y retourner parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup. Ouais j'ai une bûche de bois. Ah, le on va pas aller bien loin avec c'est ça. C'est nul ou quoi? C'est nul ou quoi? Ouais du coup comme je disais je parlais de Jules. Ah oui c'est vrai Jules. Du coup Jules il sort quand son album là? Le 9, non, 9 octobre. Ou 8 ouais, ou 9 ouais, octobre, ouais, ouais. Je crois que c'est 9, pas sûr. Je crois que c'est le 9 aussi ouais parce que tu m'avais dit, tu m'avais envoyé un message, ouais c'est dans 2 semaines. Ouais alors que c'est pas du tout dans 2 semaines. Je sais, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Non, c'est dans un mois et un jour, je crois. Enfin, un mois ouais, pile. C'est... On verra bien, de toute façon, on sera vite informé de quand il sortira son oui, fameux album. Il sera dans tous les cas réussi. Qu'est-ce qu'il raconte? En vrai, je pense. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de ça, là. Il n'y a pas de CD ici, il n'y a pas de lecteur de musique. Ouais, il n'y a pas de Wi-Fi, carrément, il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi. On n'a pas encore... on n'a pas regardé dans l'avion s'il y avait des trucs. Ah ouais, pas con. Bon, on ira voir plus tard, non? Ouais, on ira voir plus tard, les amis, s'il y a des débris qu'on pourrait utiliser de l'avion pour notre cabane ou j'en sais rien. Surtout parce qu'il y a la moitié de l'avion qui est dans la terre, donc peut-être qu'il y aurait... pourrait peut-être avoir quelque chose dedans, je sais pas. Ouais. Et imagine, on trouve de la civilisation, on fait quoi? On la bute et on la pille? on devient amis avec eux? Il a dit ça tellement normalement. Est-ce que si on les voit, on les bute ou on est amis? Je sais pas, bah, c'est les abonnés de nous dire tout ça aussi. Est-ce que si on trouve quelqu'un. Les amis, dites-nous en commentaire du coup si vous préférez qu'on les combatte ou qu'on prenne toutes leurs ressources ou qu'on devienne amis avec eux et peut-être on peut avoir des amis. Des amis indigènes, j'en sais rien. Faudra voir ce qu'il y a déjà et ce qu'on trouve, si on trouve quelqu'un et. Ouais, faut déjà. Et qui on peut trouver? Parce que ça se trouve, il y aura juste des barques abandonnées ou des conneries comme ça, donc. Faire attention. Ça peut être pas mal hein, si on trouve une barque abandonnée, enfin si on trouve un bateau abandonné ou autre, ça peut être pas mal s'il y a quelque chose dedans. Ouais, c'est vrai. Hop. J'ai envie de tester un truc. J'ai envie de tester les trucs du mod.
J'ai peur, dis-moi, vas-y. Bah, je vais essayer. Je sais pas comment on craft des objets du mode. Tu sais, des modes de décoration, mais ce serait trop cool d'en faire. J'en suis sûr, avec du bois, tu peux essayer de trouver quelque chose. Je viens de faire une mini table basse. Attends. Oh, putain, c'était rapide, hein. C'était rapide. Je sais pas, je teste des trucs en fait. Ça, c'est sympa, ça, dis donc. Regarde ce que je viens de faire. Ah, moi aussi, je viens d'en faire un truc. Regarde. Je viens de faire une mini table basse. Ah, la même en pierre. Je suis mort. Ouais, ok, ça va être un lit, c'est des hamacs en fait. Ouais. C'est des hamacs. Ok, ça. Je teste des trucs, les amis, pour voir si ça marche. Je sais pas ce que je fais, tac. Mon je fais ça. Alors bon, ouais, ok, ça fait les mêmes murets. La terre, je crois que ça fait que dalle. Des tables. Hop. La terre, ça fait que dalle. Après, faudra se renseigner sur les crafts. Ouais, je pense qu'on se renseignera sur les crafts et on verra ce qui peut être pas mal, hein. Ouais. Je suis sûr qu'on peut trouver des trucs de ouf. Ah ouais, de ouf. Bon, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je te coupe carrément. T'inquiète. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Surtout pour les pouces bleus. Ouais. Bah oui. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Parce que on voit nos statistiques. Et genre, la moitié des gens qui regardent nos vidéos, ils sont pas abonnés. Genre, c'est un truc de fou. Genre, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens. Ils cliquent sur notre chaîne pour voir si on a sorti une nouvelle vidéo. Au pire, abonnez-vous. Vous avez même pas à cliquer et tout. Et c'est gratuit. Carrément, ouais, c'est ça. Genre, en mode, les gamins, on s'appelle. Genre, par exemple, imaginons, il y a les parents qui demandent à leurs enfants, bah tiens, regarde, tiens ta tablette, tu peux regarder le youtubeur que tu veux. Au lieu de regarder dans ses abonnements et avoir direct les nouvelles vidéos, tout simplement il remet le nom à chaque fois de chaque youtubeur qui suit, ça doit être saoulant. Ouais. Par contre, attends, showing craft table. Ok. Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai fait un stack de sticks, de bâtons. Un stack? Ouais, un stack de bâtons, je sais pas pourquoi, regarde. En fait, je voulais essayer de tester les trucs du mode, mais visiblement ça marche pas. Oh punaise. Ah oui, du coup ils sont là. Bah ça nous servira plus tard. Bon, t'aimes bien le petit aménagement que j'ai fait au moins ou pas là? Au moins c'est un peu plus accueillant. Je t'avoue que je n'ai même pas fait attention. Alors déjà on va regarder l'entrée. Ouah, c'est plutôt pas mal. Bah ça fait un peu homme de Cro-Magnon quoi. Ah ouais, bah justement c'est fait exprès. C'est fait en mode je vais essayer de mettre homme de Cro-Magnon quoi. Parce qu'après les amis, on va essayer de... Et attends, là ça va être la survie de Lux. Regardez, on est en vacances. On va essayer avec les débris de l'avion parce qu'ils sont blancs, de faire des belles petites maisons et tout. Limite une villa avec une piscine. Ouah. Et bon quand même, hein. Eh, bah, ce serait bien. Bah, ça, faut voir. Une villa. Bah, attends, ce serait trop bien. Bah, après, là, pour l'instant, il faut juste penser à notre survie à Waris. Parce que, à tout moment, il y a un monstre, il surgit de nulle part et il nous bute. Genre, des monstres et compagnie. Ouais, voilà, c'est ça. à tout moment, on peut se faire buter et tout. On n'a pas encore passé la nuit, les amis. Et comment vous dire que là, en ce moment, c'est la fin de l'été, il commence à faire un peu frais, hein, la nuit. Imaginons que le corona nous capture. Ah ouais, bah là il risque pas d'y avoir le corona, hein, je vous le dis. Pourquoi? Ah bah, il y a personne qui est venu ici. Bah oui, là, il y a personne, vraiment que les poulets ont le corona ou j'en sais rien. Ou peut-être que nous, on l'a amené. T'as pas le corona, on va te dépister, Awariz. Ah, ok, sortez les cotons-tiges. On va te mettre un coton-tige dans le nez. Ah putain, ça doit faire archi mal. Aïe. Hop. Ah, moi, j'ai pas encore fait les tests, mais j'ai pas de symptômes. Moi non plus, et j'ai pas envie d'en faire, et j'en ai pas de symptômes. Bon, ben je pense qu'on est plutôt pas mal, hein, pour le premier épisode d'Oxymos. Franchement, en pas longtemps, on a réussi à survivre directement déjà au crash d'avion. On n'a même pas vu s'il y avait des survivants à Waris. Ça se trouve, il y a d'autres survivants dans l'avion. C'est vrai, on n'a pas vu s'il y a des survivants, on n'a pas vu s'il y avait. Qu'est-ce qu'il y a? Faudra vite leur porter secours dans les prochains épisodes. Et ben ce qu'on fera, c'est que dans le prochain épisode, on ira voir l'avion, je pense. Hein. On va regarder l'avion, on va le fouiller. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut y retourner pour prendre des débris et chercher des ressources. Donc bon. Ouais, et ben c'est ce qu'on fera, les abonnés, dans le prochain épisode. On trouvera. On ira chercher dans l'avion, tout simplement, s'il y a des personnes vivantes ou mortes. Ben, on verra qui est survivant. En tout cas, si les personnes mortes, ça ne nous sert pas forcément à quelque chose. Mais en tout cas, tout simplement, s'il y a des coffres, s'il y a des bagages, s'il y a des valises avec des personnes. Avec des personnes vivantes et qui ont peut-être des objets qui pourront nous aider pour cette survie. Et oui. Donc, les prochains épisodes, les amis, ça se passera sur la chaîne de Awariz. Donc, allez vous abonner à sa chaîne. Moi, il y aura d'autres séries. On en a parlé au début des vidéos. Bon, bref. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à la liker. Pensez à la partager. C'est le plus important. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et nous, on vous dit, c'était Awariz et Oxymos. Ciao.